Hey, salut! Nous sommes mardi, il est 8h et Clément, c'est pas la joie. On va essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête. J'aurais bien aimé qu'elle reçoive ses tampons et ses serviettes. Je ne sais pas si de les commander chez quelqu'un, ça les fait arriver chez moi ou si ça les fait arriver chez la personne en fait. J'ai un gros doute parce que je me rappelle très bien avec avoir commandé 2 boîtes et il me semble que je ne les ai jamais reçues. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes en congé et c'est l'anniversaire de Clémence. Alors je pense que je vais charger la miss de nous préparer une petite fête d'anniversaire. Alors, avant toute chose, oui, on s'occupe du jardin. Je n'avais pas eu le temps de le faire hier. Il a l'air pas en forme cet arbre, hein. Je ne peux rien faire, mais il n'a pas l'air en forme. Oh, elle pense à Yann. C'est vrai que depuis que je le ghost à chaque fois qu'il me demande un rencard, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Hein. On arrose, elle a trouvé une grenouille cœur, je l'avais déjà, et une grenouille cœur. Oh, mes crottes. Voilà. Midi 29, eh bien, on va se préparer un petit gâteau. Un gâteau au chocolat, ça fait toujours plaisir. Tiens, Alice arrive déjà, mais je ne t'ai pas encore invitée. On va ajouter des bougies d'anniversaire et nous allons nous installer dehors parce que de toute façon, je n'ai pas de place à l'intérieur de la maison. Alors, on va essayer d'organiser quelque chose de sympa avec 544 Simflouz. Autrement dit, ça va être un petit peu difficile. Une table. Ah, mais quoi que j'ai des îlots, là. Écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Ah, j'en ai que 3. Non, je voudrais une table. Une table pas trop chère. Oh, c'est cher. Oh là 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 là. Mais non, mais... Bon, bah, je vais prendre mes îlots. Ça va être moche, hein. Je sais pas où me mettre. Allez, je vais prendre des îlots et je vais quand même peut-être acheter un bar. Non, je ne peux pas. Donc, écoute, c'est un petit peu moche. Est-ce que je n'ai pas des ballons ou quelque chose qui fasse un petit peu... Absolument pas. Je n'ai rien qui soit sympa. Et si on fait ça? C'est super laid. Oh, attendez, j'ai une idée. Y a pas un truc sympa, genre guirlande ou je sais pas? Tiens, un banc public, ce sera déjà ça. Il est moche, je l'aime pas. Alors, j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec ce que j'avais, mais j'ai installé bon, un petit peu de choses, j'ai sorti le meuble. Ça, on va dire que ce sont des chaises qu'Alice m'a prêtées, ça vient du débogage. Je les rendrai ensuite. Ça aussi, on va dire que c'est 2 tables qu'Alice m'a prêtées. Et nous sommes prêts, on va organiser notre anniversaire. Donc, c'est Clémence qui fête son anniversaire, évidemment. On ne va pas inviter Louis, non.
on va inviter Yann, Alice, Eric et... Oh, Olivia, elle a grandi, trop trop mimi. On va inviter Catherine, Chantal, Véronique. Ouais, allez. Et bien, voilà, c'est pas mal. Bah, on va inviter Claire aussi, allez, je la connais pas bien, mais... Traiteur, pas besoin, pas besoin. Et c'est chez moi que ça se passe. Merci d'être là. On va... Ah oui, j'ai acheté ça aussi. J'ai oublié de vous le dire. On va l'allumer sur de la pop. Et on va danser un petit peu. Elle est pas très bien, hein, la pauvre. Tu viens danser? Et toi, tu viens danser? Ouais. Complimenter. Bah oui, mais c'est moi, je vais pas m'auto-complimenter. Yann, il danse pas très bien. Bon, on va souffler les bougies. Allez, viens donc faire un vœu. Ouais. Pas mal. Clémence a vieilli. Salut. Boire. Alors le souci, je crois, c'est que je n'ai qu'un verre. C'est celui-là. Bon, de toute façon, allez, venez tous prendre un gâteau. Allez, venez tous prendre un gâteau. Elle est triste. Pourquoi elle est triste? Elle se sent blessée par quelqu'un? Bah, t'as invité quelqu'un que t'aimais pas? Louis est là? C'est ça? Ah, ça va un petit peu mieux. On va parler avec notre amoureux. On va le remercier d'être ici. On va peut-être même aussi l'embrasser quand même. Oh. Lui caresser la joue. Elle veut embrasser quelqu'un. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Bon, par contre, il aurait pu faire des efforts pour ton anniversaire. C'est trop mignon. Eh bien, tout se passe bien. On dirait que les gens s'amusent. Ça, je ne peux pas trop le faire. Mais en tout cas... À part le clown triste qui pleure, mais sinon, tout le monde a l'air de bien s'éclater. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai flirté avec Eric, mais j'ai pas fait exprès. Oh, je viens de recevoir une grosse baffe. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Non. Alors, c'était pas ma volonté. Je vais essayer de rattraper le coup. Je vais inviter Yann à danser. Je vais lui illuminer sa journée. Regardez comme elle la guiche. C'est un peu limite. Ça, c'est dans l'intimité, chérie. C'est pas devant tout le monde pendant l'anniversaire. Hein. Je voudrais prendre une pause sexy. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Des pompes. Dis donc, Clémence, tu te lâches, non? Allez, arrête de danser. Et va le remercier. Peut-être même que vous pourriez vous éloigner un petit peu. Tu lui embrasses les mains. Non? Ouais, ils discutent tout le temps tous ensemble. C'est pas terrible. Tu vas le draguer. Tu vas l'embrasser. Voilà, très bien. Quelqu'un qui pue, c'est toi? Ah oui, tu pues. Tu vas lui demander d'être son petit ami. Allez, c'est le moment. Ouais, il veut bien. C'est cool. Et ben voilà, tout s'arrange. Très bien. Embrasse-le. Allez. Ouais, c'est très bien. Allez, mets le paquet, tu lui proposes un massage. T'as été un petit peu maladroite.
Tu lui complimentes l'apparence. Tu discutes de ses centres d'intérêt. Tu lui offres une rose. Voilà, t'as été maladroite. Tu te rattrapes, chérie. D'accord ? Il s'agirait pas de le perdre. Qu'est-ce que... Oh, bah voilà. C'est parfait. Par contre, tu plantes tous tes invités, y a pas de souci. Bon, ok. Pas de souci. Comme tu veux. Ouais. Il va où, lui ? Il vient pas voir, j'espère ? Et tandis que Clémence est un petit peu occupée, le soleil se couche sur cette fête d'anniversaire qui était finalement assez réussie. Joyeux anniversaire, dommage pour la fête. Oh, c'est quand même pas mal, médaille de bronze. Après, j'avais pas de sous, je pouvais pas faire une fête du feu de Dieu alors que j'avais pas de sous. Au moins, un invité a laissé un livre en cadeau. Il se trouve dans votre inventaire de foyer. Chouette, je vais voir, c'est un livre sur le charisme. Ok, je n'y vois aucun message caché. Bon, Clémence, où en es-tu ? Ah, vous êtes tout nu encore. D'accord. Habillez-vous. Est-ce que tu veux rester dormir, Yann ? Tu voudrais bien ? Ouais, cool. J'aimerais bien que tu mettes un caleçon. Ok, on va essayer de nettoyer un petit peu. Bon, il va se coucher. Ils mettent pas beaucoup. On va éteindre la chaîne. Pourquoi il y a encore des gens chez moi ? Vous ne voudriez pas vous en aller par hasard ? Ah, allez, va-t'en toi aussi. Ou sinon, tu nettoies. C'est toi qui vois. Bah là, tu t'en vas du coup. C'est sympa. Pourquoi t'es triste ? Non. T'es pas blessée par personne, n'importe quoi. Tu vas ranger tout ça. Nettoyer, ranger le gâteau. Où vas-tu ? Tu vas dormir à la cave ? Certainement pas, non ? Nouvelle grenouille ? Oui, nouvelle grenouille, l'aubergine rayée. Ce qui me porte ma collection à 21. Eh, c'est pas trop mal. Mais pourquoi tu veux dormir à la cave ? Va dormir avec ton homme. Voilà, très bien. Et c'est sur l'image de ces tourtereaux en train de dormir que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Il va falloir activer. Mais activer. Parce que nous ne sommes pas en avance. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.